aujourd'hui je reviens avec une nouvelle recette pour faire des muffins fondants au chocolat. Alors je sais pas si je peux appeler ça muffin ou directement cake fondant au chocolat, entre les deux, voilà. Mais j'appelle ça quand même des muffins fondants au chocolat. Cette recette, c'est juste l'ultimate recette pour ceux qui aiment le chocolat. Yes, I know. Donc j'espère en tout cas que cette recette vous plaira. N'hésitez pas à mettre un thumbs up cette vidéo si vous l'avez aimé. Et moi je vous fais de gros bisous. Et voilà, bye bye. Mouah. Donc c'est parti pour notre recette. Il faudra environ 160 g de chocolat. Donc 100 g de chocolat et 60 g pour faire le fondant au chocolat. Il faudra aussi 100 g de sucre, de beurre et de farine. Si vous n'avez pas de beurre, vous pouvez prendre aussi de l'huile de coco culinaire que personnellement j'ai acheté dans un magasin bio. Et il faudra aussi 3 œufs. Faites fondre le chocolat ainsi que votre beurre ou huile de coco au bain-marie. Dans un saladier, ajoutez le sucre ainsi que vos œufs. Et battez jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Enfin, rajoutez petit à petit la farine. Et enfin, rajoutez le beurre et le chocolat préalablement fondu au bain-marie et mélangez bien tout ça comme il faut. N'oubliez pas de goûter parce que c'est bon aussi. Maintenant, vous allez prendre votre moule à cupcake ou à muffin. Vous allez mettre tout simplement des caissettes. Vous allez tout d'abord verser 2/3 du mélange dans vos caissettes. Et ensuite, rajoutez un carré de chocolat et recouvrez le tout avec le reste de pâte qui vous reste. Enfournez 15 minutes à 210 degrés et voilà, vous avez vos muffins fondants au chocolat. Regardez-moi ce chocolat qui coule. Yummy, yumminess. C'est hyper bon, ultra gourmand et vraiment pas trop lourd par rapport avec l'huile de coco. Donc je vous conseille vraiment de le faire avec l'huile de coco, c'est génialissime. Donc j'espère en tout cas que cette recette vous plaira. Moi je vous aime et je vous dis à bientôt. Bye bye. Mouah.